Yeah. A heavyweight and I'm true to size. You either move out my way and get moved aside. Ain't no choice. Il ne sera pas tombé le support de Aegis. Eka. Oh, la punition de Eka. Encore une fois. Miracle. À l'expérience, au talent, c'est magnifique. Il vient punir Akali. Victoire d'Aegis qui reste donc invaincu en sortie de seconde semaine de compétition au même titre que la Red Storm. On a hâte du versus contre Aegis et Zilla. Attention hein, parce que qui va être qui ici? Qui va être qui ici? L'autre qui arrive à ramener deux joueurs Vitality, l'autre qui va pouvoir tournoyer dans la mêlée qui se fait bump pour l'instant. Maintenant c'est Chayek qui va tenter de rentrer à son tour, mais Chayek qui le tient. Dans la chance de s'exprimer, encore une magnifique poussée. Khalid qui passe au bateau, qui se fait en ligne par l'autre. Khalid qui passe absolument incroyable, mais la poussée encore de Eka. Il l'a trouvé, les jumpers sont au sol, le polymorph scellera le On va essayer de continuer Ragnar qui a été speed boost par Milio, qui va essayer de chercher, qui se peut-être avoir par Kreis, qui se repositionne avec un flash out Backflood. Oh, il a suivi par Aristas avec un peu de dégâts et Géo. Il est en train de faire l'exploit en teamfight. Quelle séquence de jeu. Les Géo aujourd'hui qui resteront donc invaincus. Un pentakill hier, un pentakill aujourd'hui. En dos, Fastalker qui se fait totalement sécher, polymorphe et détruit, il ne reste plus que son KSNT. Triple kill. Peut-être la quadra kill pour lui. Triple kill. Il tente de répondre. Quelle audace, quelle audace. C'est Ragnar à la défense en forme de méga Gnar. Une téléportation dans son dos, c'est notion d'agressivement dans ses rigueurs. Pardon, c'est rigueur. Mais Ragnar, arrêtez-le. Arrêtez-le. Ragnar exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Il vient de sécuriser un quadra qui peut être le pentakill. Les Géo